Salut tout le monde, j'ai l'impression que ça marche. Si ça marche pas, faites-moi un signe sur le chat. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est un live un peu spécial, un peu détendu. Voilà, on a un programme léger, surtout plutôt interactif. Donc on est là pour être avec vous, pour discuter avec vous. Je suis avec Hélène et Fabien, qui sont des journalistes de la rédaction de Sciences Humaines. Donc Salut. l'intérêt aussi de Twitch, c'est que on n'est pas seulement avec, on débarque pas seulement avec notre contenu, mais que voilà, on puisse discuter avec vous. Bonsoir Cassandre, qui nous dit bonsoir dans le chat. Voilà, donc si vous avez des choses à nous demander, des questions, n'hésitez pas. Ce soir, on est là pour ça. Donc on va discuter un peu ensemble. On a déjà annoncé ce live sur les réseaux sociaux de Sciences Humaines. Et on a eu quelques questions qui sont arrivées, donc on va peut-être attaquer par ça. Et puis si jamais vous voulez nous couper, nous relancer ou parler d'autres choses, n'hésitez pas. Salut Danae, bienvenue. C'est ta première fois aussi comme Cassandre, première fois que tu discutes avec nous, donc sois bienvenue parmi nous. Voilà, donc la première question qu'on a eue sur les réseaux, c'est quoi votre parcours? Comment vous êtes arrivé là? Voilà, c'est Léa qui nous demande ça. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Et comment vous êtes arrivé à la rédac de sciences humaines? Alors, Hélène, toi qui dois partir un petit peu en avance, donc Hélène partira vers moins 20, quelque chose comme ça, dans 40 minutes. Donc voilà, ça pose pas de problème, mais du coup, on va commencer par toi. Ça te va? Ok, bon, j'espère que vous m'entendez, je sais que mon micro est un peu faible. On t'entend. Écoute, c'est une bonne question. Donc moi, je suis journaliste à Sciences Humaines, mais je n'ai pas fait d'école de journalisme. Je viens en fait de la recherche. Je suis agrégée d'histoire, j'ai un doctorat et j'ai travaillé comme postdoc puis comme ingénieur de recherche au CNRS dans un laboratoire de l'école des hautes études en sciences sociales. C'était sur quoi ta thèse, Hélène? J'avais fait une thèse sur le logement social. Je m'intéressais beaucoup aux politiques sociales et en fait j'avais une approche qui était à la fois historique et histoire de l'art parce que je venais de l'histoire de l'art au tout début de mes études. C'est Donc j'ai marrant essayé parce de voir. que le logement social, moi, l'histoire de le lien entre logement social et histoire de l'art, j'ai du mal à le faire. T'as fait ça comment? Alors en fait mon idée c'était. D'abord je voulais travailler sur les HLM et à l'époque où j'ai commencé ma thèse, j'étais dans une fac qui n'était pas très. Progressiste, disons, et quand j'ai dit que j'avais travaillé sur l'HLM, on m'a regardé comme si j'avais dit une chose inconvenante, donc on m'a plutôt découragée, donc j'ai changé de fac. Et puis finalement, c'était un sujet assez vaste, personne ne travaillait beaucoup dessus à l'époque, et donc j'avais choisi un angle qui était assez bien, j'ai trouvé, parce que ça me permettait d'entrer dans le sujet sans avoir un Himalaya devant moi, c'était de me dire, il y a beaucoup de patrons qui construisaient pour leurs ouvriers au 19e, et à un moment, l'État mis à construire lui aussi, à faire du logement social, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire comment ça se renégocie entre les patrons et l'État, et j'ai travaillé sur toute cette période qui aboutit au 1% logement qui est adopté en 1953, qui est un compromis entre le patronat et l'État. Ce qui m'intéressait aussi, c'était d'aller voir est-ce que les formes des logements, leur architecture, s'expliquaient aussi par ces mouvements historiques. C'était ça la partie histoire de l'art, donc si tu veux vraiment histoire des formes, histoire de l'architecture. Donc j'avais rajouté à une partie plus analyse esthétique, qui n'était peut-être pas attendue effectivement dans ce genre de travaux. Donc voilà, c'est une thèse qui a été publié ensuite aux presses universitaires de Rennes un petit peu plus tard. Et Voilà. comment est-ce que tu es devenue journaliste alors? Alors, je suis devenue journaliste parce que j'étais très curieuse, je m'intéressais à beaucoup de choses et un petit peu par hasard, je me suis retrouvée à créer une rubrique d'histoire de la médecine pour la revue Prescrire et puis je m'intéressais beaucoup à l'histoire des sciences et un jour j'avais un truc que j'adorais, j'ai emmerder une copine journaliste, ah mais je m'intéresse tellement aux règles à calcul, j'adore ce truc et tout ça. Et tu sais quoi, ces petites règles à calcul qui servaient de calculatrice à l'époque où on n'avait pas d'électronique, les cosmonautes les ont emmenées pour aller sur la Lune. C'est incroyable, non? Donc elle me dit, bah, c'est super, tu devrais en faire un article, envoie-le à Ciel Espace, qui est une revue d'astronomie. Et donc je me suis dit, ah génial, bah, j'ai proposé ça à la revue et qui m'a pris mon article et j'ai adoré faire l'article et après j'ai continué à en faire. Donc, à un moment, j'étais un peu mi-temps entre le CNRS et le journalisme. Et puis finalement, un poste s'est ouvert à Sciences Humaines, pour qui j'avais jamais travaillé. Et j'ai candidaté et j'ai eu la chance d'être prise. Donc j'ai hésité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste au CNRS? Est-ce que je pars? Et puis en fait, je suis partie et voilà, j'adore ça.
Mais donc pour dire que quand on fait du journalisme scientifique, on a souvent des parcours, enfin, il arrive qu'on ait des parcours qui ne soient pas les parcours très linéaires de juste une école de journalisme. Je ne sais pas, Fabien, si tu serais d'accord Ouais, avec moi. il y a des parcours vraiment très très différents. Bon, on le voit, Hélène et moi, on est tous les deux membres de la JSPI, qui est la principale association de journalistes scientifiques en France. Et c'est vrai que les parcours sont très très étonnants. Les gens ne sont pas forcément passés par des écoles de journalisme, ou inversement, de très bons journalistes scientifiques ne sont pas forcément passés par des filières scientifiques. Salut JL Very Short qui nous dit bonjour dans le chat. Bienvenue aussi. D'accord, donc en gros, toi aussi, tu as un parcours un peu atypique, Fabien. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es Alors arrivé moi là? j'ai un parcours un petit peu plus classique pour le coup. Moi j'ai d'abord fait une fac de philo parce que je voulais faire une école de journalisme, mais pour passer les concours d'entrée en école, il fallait avoir au moins une licence. Ok. Donc je suis parti en philo parce que j'avais adoré ça en terminale et j'ai été jusqu'à la maîtrise parce que j'avais quand même envie de faire un petit mémoire de recherche avant de quitter la fac pour vraiment entrer dans le journalisme. Après j'ai réussi à obtenir une des premières, toutes premières formations en alternance à l'école de journalisme de Lille, l'ESJ Lille, que je crois que c'était leur première formation en alternance, si je ne dis pas de bêtises, c'était entre 2008 et 2010. Et j'ai fait une partie de mon alternance dans un magazine qui s'appelait Newsy, qui était un magazine à destination des cadres et dirigeants d'entreprise, donc rien à voir avec le journalisme scientifique, même si on pouvait parler de sciences dedans. Et j'ai fait la seconde partie de mon alternance, la deuxième année, à Philosophie Magazine. Par la suite, je suis devenu pigiste. Et ça fait voilà, bah, depuis 2010, donc plus de 10 ans que je suis journaliste indépendant. J'ai travaillé vraiment pour beaucoup de presse généraliste, beaucoup de presse un peu spécialisée, donc comme Philosophie Magazine, Le Monde des Religions, Ça m'intéresse Histoire, et aussi Sciences Humaines, où j'ai commencé à travailler en 2014, comme pigiste donc. Et depuis Peut-être, 6 ans. je t'interromps, excuse-moi, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que pigiste? Parce que c'est un mot qu'on entend souvent, journaliste pigiste, mais on ne sait pas Ouais. forcément ce que ça veut dire. C'est quoi un D'accord. journaliste pigiste? Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour répéter que dans le chat, hein, si vous avez des questions sur le métier de journaliste, sur la rédaction, c'est vraiment aussi le but de ce soir, donc n'hésitez pas, allez-y. Donc un journaliste pigiste, c'est un journaliste indépendant donc qui travaille à l'article en gros quoi. C'est-à-dire que au lieu d'être de travailler dans une rédaction, on va travailler pour plein de rédactions différentes. Et à chaque fois, on va proposer des articles ou quand les rédactions nous connaissent bien, elles vont nous appeler pour nous demander d'écrire des articles sur des sujets. Et à chaque fois, c'est à la tâche entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait un article puis après c'est terminé ou alors on refait un autre article, mais s'il n'y a pas forcément de continuité. Bon, après, je ne vais pas entrer dans le droit du travail des journalistes parce que c'est très très compliqué, mais et que ce n'est pas forcément intéressant, sauf si ça intéresse d'ailleurs. Fabien, peut-être avant qu'on réponde à ANNUF12, juste un petit point quand même. Je tiens à dire, les journalistes pigistes sont des salariés, ce qui est un peu atypique. Ouais, C'est-à-dire que c'est c'est pas assez mal. unique. Ils ont une feuille de paie avec des cotisations sociales pour l'article qu'ils ont fait, et donc c'est plus intéressant pour eux parce qu'ils sont bien couverts, enfin au sens où ils bénéficient comme un salarié de toute la protection du salarié. Ouais. Voilà. On a deux questions. Ouais. L'ANNUF12, combien de temps dure une école de journalisme et sont-elles toutes équivalentes? Peut-être que je vous laisse tous les deux qui avez fait des écoles répondre. Bah, les formations en général, c'est 2 ans. Après, il n'y a pas forcément que des écoles de journalisme. Alors, il y a aussi, par exemple, des masters en information, des fois information et communication qui vont aussi tirer plus vers la communication. Il y a aussi. Alors, il y a quelques écoles qui sont un peu plus prestigieuses que d'autres. Ça, c'est comme dans tout, hein. Il y a des écoles dites reconnues par la profession et puis d'autres qui sont un peu moins prestigieuses. Je ne vais pas les énumérer ici. En plus, je ne les connais pas toutes. Voilà, donc ça, c'est sur la durée. En général, c'est 2 ans. Et sur la deuxième question, donc, elles sont-elles toutes équivalentes? Donc, ouais, j'ai répondu. Et la JSPI, donc, c'est l'Association des journalistes scientifiques de presse d'information, je crois. Et c'est une information qui regroupe bah, tous les journalistes qui travaillent en gros dans le champ de la vulgarisation scientifique, enfin tous les journalistes qui ont demandé à rejoindre cette association, parce que certains font du journalisme scientifique, mais ne connaissent pas forcément l'existence de cette association. Et voilà, en gros, c'est une association qui fédère un petit peu ce travail-là, qui est un petit peu spécifique de faire de la vulgarisation scientifique. Et c'est la question de savoir s'il y a différents types de journalistes scientifiques, j'ai envie de répondre oui. Dans le sens où déjà il y a un peu des gradations parce qu'il y a des sujets qui vont être plus ou moins grand public. Par exemple, au moment de toute la crise sanitaire,
Dans les papiers sur le Covid, on a eu énormément d'articles qui étaient plus ou moins scientifiques, plus ou moins considérés comme du journalisme scientifique sur la question du Covid, la gestion de la crise sanitaire, qu'on allait aussi retrouver dans de la presse généraliste, avec des journalistes pas toujours spécialisés d'ailleurs qui traitaient ces sujets. Donc je dirais qu'il y a toute une gradation en fait entre des journalistes qui vont vraiment avoir une spécialité et vraiment des fois avoir une spécialité thématique. Par exemple, ça va être les santé pour les uns, l'ingénierie pour les autres. La Nous, à philo Sciences pour les humaines, ce uns. sont. Voilà, les sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est un petit peu militant de ma part. Je ne sais pas comment Hélène fait, mais j'aime bien dire que je fais du journalisme scientifique spécialisé en vulgarisation des sciences humaines et sociales. Parce que on en a parlé sur Twitch d'ailleurs il y a quelques semaines. C'est Les vrai. sciences humaines et sociales ont parfois la réputation de ne pas être des disciplines scientifiques. Moi, j'ai tendance à considérer que certaines pratiques, en tout cas dans ces disciplines, quand on travaille dans un laboratoire de recherche, qu'on se soumet à la relecture par les pairs, etc., relèvent au fond d'une démarche scientifique au même titre que les maths, la physique. Après, bien sûr, il y a des différences. Mais on va pas refaire l'émission qu'on avait faite avec Philippe Hunemann, à laquelle que vous pouvez revoir d'ailleurs sur la Ouais. chaîne YouTube, hein, sur ces questions vous intéressent. Mais donc, oui, après, donc il y a de ce point de vue aussi thématique, plusieurs formes de journalisme scientifique. Et puis après, il y a toutes les formes presse écrite, vidéo, podcast ou radio, etc., qui se passe sur Twitch aussi, où il y a beaucoup de vulgarisateurs et de vulgarisatrices qui sont en train d'arriver sur Twitch, qui font un super travail. Voilà, donc il y a évidemment beaucoup de formes de journalisme Voilà, scientifique. je préciserais peut-être, Fabien, que, en général, dans l'association, les gens sont. Enfin, on n'est pas très nombreux à faire des sciences humaines et sociales. Et d'ailleurs, Fabien et moi, on est un peu militants pour, voilà, pour que ça prenne sa place Les sciences le plus humaines sont des largement sciences. possible. Voilà. J'en profite pour répondre aux deux questions suivantes de Cléora MX1. Est-ce qu'on recrute? Et qui est une question qui va avec la suivante. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant pour un jeune qui veut être journaliste, de faire un parcours qui ne soit pas linéaire. Je vais un peu répondre en parallèle. Alors, Cléora, donc Sciences Humaines ne recrute pas de salariés en CDD ou en CDI, donc au sein de la rédaction. En revanche, comme l'a dit Fabien, on a des pigistes. Et donc, les pigistes, d'ailleurs, proposent d'abord leur service à la rubrique Actu, dont je suis responsable. Et donc, je suis souvent, si j'ose dire, la porte d'entrée des pigistes. Et donc, si tu es journaliste et que tu as des idées de pige en actu, sciences humaines et sociales, ben, il faut me les envoyer. Nos mails sont tous disponibles sur la page du journal. Et à titre personnel, je réponds toujours aux demandes qu'on me fait. Que ce soit négatif ou positif, j'essaye vraiment toujours que les personnes aient un retour. Et si ça ne va pas, je leur dis pourquoi. Voilà, maintenant, si tu n'es pas journaliste, évidemment, bon, peut-être que ça ne correspond pas à ta question, mais voilà. Et donc pour répondre aussi en même temps à la deuxième question, je peux répondre sur le parcours des pigistes à qui j'ai affaire le plus souvent. Je dois dire que, en tout cas en ce qui me concerne, pas toujours, hein, mais une partie des bons pigistes que j'ai, c'est des pigistes qui ont une formation universitaire ou qui sont passés par des classes prépa, mais qui effectivement ont fait des sciences humaines et sociales eux-mêmes un peu, soit un master, soit voilà, qui les ont touchés vraiment eux-mêmes, parce qu'en fait, ça leur donne une connaissance des techniques, de la façon de lire un article, d'une capacité d'esprit critique sur les articles scientifiques que n'ont pas toujours des gens qui sont uniquement passés par une école de journalisme, parce qu'on ne forme pas spécifiquement à lire de la science dans une école de journalisme. Donc voilà, donc pour moi, ces parcours non linéaires, en tout cas en matière de sciences humaines et sociales, c'est souvent des très bons parcours. Pour compléter un tout petit peu ce que dit Hélène, je trouve que ce qui est important dans une rédaction, c'est d'avoir une diversité de parcours. Parce que si on n'a que des gens dans une qu'on fait Can Ipo, Can Sciences Po, l'école de journalisme, ce qui est le cas dans beaucoup de rédactions, ça crée une homogénéité de parcours et donc une homogénéité aussi dans la façon d'appréhender les sujets, dans les idées qu'on peut avoir. Et ce qui est bien dans une rédaction, ce qui va faire la richesse d'une rédaction, c'est d'avoir des gens qui ont une formation très journalistique, des gens qui ont une formation plus sciences humaines, des gens qui ont commencé directement le journalisme sans avoir fait d'études spéciales après le bac ou ce genre de choses, des gens qui se sont formés en passant par le blogging ou par les réseaux sociaux ou par des plateformes comme Twitch ou YouTube ou autres. Voilà, et ce qui est bien, c'est d'avoir tout ça en fait, quoi, d'avoir tout ça dans une rédaction parce que c'est ça qui va aussi donner plein d'idées différentes, plein d'approches différentes et qui va créer un contenu d'autant plus riche à la fin. Juste une petite pause pour vous rappeler les commandes. Donc, si jamais vous voulez savoir si les sciences humaines sont des sciences, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez avoir le lien de la chaîne du magazine en tapant point d'exclamation replay.
C'était le premier live, donc vous le trouverez facilement sur la chaîne des sciences humaines. Et si vous avez envie d'écrire à Hélène pour lui proposer des articles ou à Fabien, vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le site de sciences humaines qui est accessible en tapant point d'exclamation SH comme sciences humaines. Voilà, Nénuf12 qui nous demande les critères pour avoir la carte de presse. Ah, ça, c'est facile. Il faut que plus de 50% des revenus d'une personne soient issus du journalisme. Voilà. Donc, en gros, si vous êtes, par exemple, à plein temps dans une rédaction, 100% de vos revenus, et que vous faites rien à côté, 100% de vos revenus viennent du journalisme. C'est facile. Par contre, si, par exemple, vous êtes journaliste indépendant et que pour arrondir les fins de mois, vous donnez des cours dans une école de journalisme, ce qui est mon cas, par exemple, vous devez veiller à ce que ces cours ne vous rapportent pas plus d'argent que ce que vous rapporte le journalisme. Il y a une balance à respecter qui doit être de voilà, plus de 50% des revenus issus du journalisme. C'est le critère de la commission de la carte de presse. C'est ce qu'elle examine chaque année. Oui, voilà, il y a un Voilà, comité, mais donc je précise. il faut faire une demande et le comité examine, vérifie que voilà, vous avez bien rempli les critères et vous envoie la carte de presse. Mais il y a quand même une précision utile sur cette carte, c'est que en gros, à part pour entrer dans les musées gratuitement, elle ne sert pas à grand-chose parce que c'est pas un critère pour savoir si on est journaliste en fait. On peut être Ce n'est journaliste pas sans une avoir la carte de preuve, ouais. presse. C'est important dans les manifestations parce que ça arrive souvent. Ce n'est pas une preuve. On peut être journaliste sans avoir la carte de presse ou Voilà. exercer une activité journalistique sans avoir la carte de presse. Après, ouais, la carte de presse, des fois, c'est une sécurité aussi pour, par exemple, les éditeurs, quand on fait des demandes en service de presse. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'ils me demandent si j'ai la carte de presse ou pas. C'est pas forcément bien qu'ils le fassent, mais pour eux, voilà, ça leur assure que la personne qui leur fait une demande, par exemple, de voir un livre dans le but d'en faire un article, est une activité vraiment régulière et relativement importante en journalisme. Voilà, il y a des petites choses comme ça aussi. Peuvent entrer en ligne de compte. Par rapport à ce que Et tu en dis sur la réponse à carte, donner, ouais, vas-y Hélène. pardon, juste sur donner des cours, est-ce que c'est pas du journalisme dans une école, donner des cours dans une école de journalisme? Sauf erreur de ma part, là j'ai vu il y a les élections pour la commission de la carte de presse et ça fait partie, je crois, sauf erreur de ma part, de certaines revendications justement d'intégrer ça dans le travail de journalisme. Donc, sauf erreur de ma part, c'est Ouais, il me possible. semble, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, ça n'est pas le cas. Je sais, je les avais appelés une fois j'avais appelé la commission pour leur demander, et non, c'est clairement pas le cas à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que ça serait pas absurde, parce qu'en vrai, cette histoire de 50% de revenus, la principale raison, c'est quand même d'éviter les conflits d'intérêts. Fondamentalement, c'est ça qui est important. Et notamment, pour les journalistes qui ont une activité dans la communication à côté, l'idée, c'est que leur niveau de vie, leurs revenus ne dépendent pas davantage d'entreprises pour lesquelles ils feraient de la communication que d'entreprises de presse pour lesquelles ils sont supposés faire de l'information indépendante. C'est vraiment ça. Donc, c'est vrai que la revendication de dire il faudrait que les écoles de journalisme soient donner des cours dans ces écoles soit considérées comme une activité journalistique est pas du tout est assez raisonnable. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, j'ai pas réfléchi à la question. Ok, désolé, Et je précise pour vas-y. si parmi nos auditeurs, il y en a certains qui veulent être pigistes, sachez qu'il existe des associations de pigistes qui pourront vous aider à connaître vos droits et à comprendre comment ça fonctionne. Donc des associations un peu militantes, si je peux dire, voilà. Donc Ouais, on peut citer, je pour crois, défendre Profession notamment. Pigiste. Il me semble que Profession Pigiste est Voilà. la plus grosse. Et il y a un collectif aussi qui s'appelle Tupige, un peu plus jeune comme collectif, qui a été pas mal actif ces derniers temps et qui ont notamment créé un site qui permettait de voir le tarif des piges pour avoir un peu plus de transparence là-dessus. Donc, qui a une activité assez intéressante aussi, je trouve. Et il y a toujours la solution des syndicats, il me semble, qui sont quand même assez soutenants vers les Ouais. pigistes, comme le SNJ. Ouais, enfin, alors ils sont soutenants, évidemment, mais historiquement, les syndicats sont quand même plus intégrés aux rédactions, aux groupes de presse. Et souvent, pour les pigistes, ça peut être difficile d'entrer en contact avec eux. Après, c'est une démarche, je veux dire, c'est deux coups de fil à passer, mais c'est plus difficile que pour, par exemple, des salariés en poste en interne qui vont croiser les représentants syndicaux à la machine à café, pour le dire Je rapidement. comprends. Ok, on a une question de Cassandre Cassandre. nous demandait. Oui, Vas-y, pardon, Hélène, t'es en train excuse-moi de la Hélène. lire, je crois. Donc, quelles sont les qualités attendues pour être journaliste scientifique selon vous? Est-ce que tu veux commencer à répondre, Fabien?
Non, vas-y, je réfléchis comme ça. Alors, moi aussi, je réfléchis. Bah, d'abord, c'est de lire de la science avec un esprit critique. Ça veut dire être capable de se rendre compte quand on lit quelque chose de la qualité de la recherche, c'est-à-dire est-ce qu'elle a été faite selon des critères scientifiques ou est-ce qu'elle ne tient pas la route, parce qu'on peut, parfois, il y a des choses qui circulent et qui ne sont pas très sérieuses. Donc, ça, c'est très important. Comprendre les méthodes. Justement pour avoir ce regard critique. Et puis ensuite, bah, comme tout journaliste, être très consciencieux, lire attentivement, vérifier ses informations. Enfin, ça, c'est peut-être plus classique, mais je pense que c'est vraiment l'idée de comprendre ce dont on parle, c'est très important. Parce que pas répéter quelque chose qu'on n'a pas compris, par exemple. Et donc, ça implique parfois un savoir qu'on peut acquérir au coup par coup pour chaque article si on ne connaît pas du tout la discipline, et ça peut être un petit peu coûteux. Ou qu'au bout d'un moment, par expérience ou par ses études, on possède et donc c'est plus facile. Par exemple, si vous parlez de traitements médicaux, c'est sûr qu'il faut comprendre un peu ce que c'est qu'une statistique. Il faut avoir comme ça des réflexes si vous voulez vraiment lire une étude qui parle d'un nouveau médicament. Vous ne pouvez pas vous lancer dedans comme ça. Après, il y a plein de sortes de domaines et donc il y a plein de sortes d'attendus différents. Mais voilà, est-ce que Fabien, je peux être peut-être complète? Bon, moi, le truc que je trouve assez important aussi, c'est la capacité à vulgariser. J'avais interviewé Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology il y a quelques années. Il m'avait dit une réponse que je trouvais très chouette. C'était vulgariser, il disait, c'était se souvenir en permanence que les lecteurs, les lectrices ou les personnes qui regardent ces vidéos sont pas des gens plus bêtes que vous, ce sont juste des gens qui ont moins d'informations. Et donc, le rôle du journalisme scientifique, au fond, c'est de leur donner ces informations. Et ça passe souvent par rappeler les bases, parce qu'en journalisme scientifique, et je crois que ça vaut pour le journalisme en général, quand on va faire un article, on va beaucoup enquêter sur le sujet, on va se documenter, on va faire des interviews, et on va devenir un petit peu expert pendant un moment du sujet. On va commencer à avoir une vision d'ensemble quand on aura bien fait un bon travail d'enquête et de recherche documentaire. Et là, à ce moment-là, la difficulté, c'est de se souvenir qu'on va écrire ou parler pour des personnes qui n'ont pas fait ce travail, pas du tout les bases, et qu'il va falloir amener le sujet en rappelant le contexte, en rappelant les éléments importants, sans faire un truc encyclopédique, donc partir quand même de l'actualité, mais réussir à lui donner, à donner du sens à cette actualité. Et après, évidemment, il y a la question de la justesse des informations qu'on donne, dont Hélène vient de parler, qui est très importante. Mais pour moi, voilà, la qualité du journalisme en général, c'est de faire une information qui soit à la fois intéressante, pertinente, bien contextualisée. Et dans le journalisme scientifique, c'est ça un peu puissance 10, parce que les choses qu'on explique sont souvent très techniques, très compliquées, et dépendent d'une histoire, de recherche, des fois, qui date de siècles, qui sont vraiment très, très anciennes, et de savoir, voilà, donner un petit peu les bases et le contexte pour que ça soit intéressant et enrichissant. Moi, c'est vraiment ça la qualité que je vais rechercher chez les personnes qui écrivent. Et puis voilà, la simplicité d'écriture, capacité à trouver de bonnes images, à trouver de bonnes comparaisons, et puis à donner envie d'en savoir plus, tout en faisant sentir que les choses sont plus compliquées forcément que ce qu'on dit dans l'article, parce que dans un article de presse, on n'est pas dans le même cadre que dans un article scientifique ou dans un livre. On est obligé d'être plus court, d'être plus schématique, de simplifier. Donc voilà, moi j'aime bien glisser par exemple dans mes articles des petites phrases comme en schématisant et donner une explication. Pour prendre une image un peu simple, mais qui vous donnerait une bonne idée, voici. Et évidemment, après, donner des références aussi, permettre, donner des outils aux gens, juste une petite référence biblio, un livre, un auteur à suivre, pour qu'ils puissent aller plus loin s'ils en ont envie. Et que grâce à la lecture de notre article, grâce au fait qu'ils ont regardé notre vidéo, si c'est de la vidéo, eh ben, ils seront capables d'appréhender un livre ou d'appréhender un auteur que peut-être juste avant, ils n'auraient pas été capables de lire parce que ça aurait été trop compliqué. Et nous, on est là un peu en intermédiaire. Dans Média, il y a toujours cette idée d'intermédiaire que je trouve très importante. Nous, voilà, on doit être des intermédiaires entre des experts et des néophytes. Et l'idée, c'est que le néophyte puisse directement par la suite lire les experts grâce au travail de débroussaillage qu'on aura fait pour eux. Ok, Et on a une question de ouais, si je Cléa peux juste, 13. Ouais, tu veux compléter, Hélène, avant? compléter avant, oui, je voudrais juste compléter, ça m'amuse beaucoup. En fait, tu as complètement raison. Et d'ailleurs, quand on a des stagiaires ou des très jeunes pigistes qui hésitent, enfin, surtout des stagiaires, je leur dis, bah, raconte ce que tu as à dire comme si tu le racontais à ta grand-mère, quoi. C'est-à-dire, Merci.
Ah, mamie, c'est génial, j'ai lu ce truc, quoi. Comment tu le raconterais simplement pour qu'elle comprenne tout? Et juste comme anecdote, moi, un des premiers articles que j'ai fait à part Ciel et Espace, j'avais travaillé pour Femme Actuelle Jeu, des petits textes très courts, et je m'étais énormément amusée parce que j'avais pris les recherches les plus savantes. Je me rappelle, c'était sur la domestication des espèces animales. J'avais pris vraiment ce qu'on faisait de mieux qui venait de publier, et j'en faisais des textes un demi-page ou un quart de page pour voilà, le public de Femme Actuelle Jeu. Donc ça devait être vraiment très très simple. Et j'ai trouvé que c'était un grand plaisir de passer du très savant et d'arriver à le dire avec des mots qui soient très compréhensibles. Donc je trouvais ça, voilà, ça m'a beaucoup beaucoup amusée. Donc, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Fabien, effectivement, Moi, c'est dans mon une cours très bonne d'écriture, je fixe souvent comme exercice ou comme objectif d'écrire comme pour un magazine type Science et Vie Junior, c'est-à-dire pour des adolescents de 12 à 16 ans. Parce que là, on n'a plus le choix. Là, on est obligé de vraiment trouver les formules et les images qui vont permettre à quelqu'un de comprendre simplement quelque chose de très compliqué. Sur la question suivante, sur les rédactions scientifiques en sciences physiques, alors à part, j'ai fait que l'histoire des sciences, donc je ne serais pas capable de répondre. Donc je ne sais pas si Fabien. Bah, moi, j'ai travaillé un petit peu pour la recherche, j'ai fait quelques piges pour Sciences et Avenir. Et honnêtement, il n'y a pas trop de différence. Alors, ça a toujours été en tant que pigiste, donc je ne connais pas leur organisation interne. Mais le journalisme, ça reste du journalisme, quoi. C'est-à-dire, on propose des sujets, on discute des sujets avec un chef de rubrique ou une rédaction chef ou toute l'équipe. Et puis, à partir de là, ensuite, on fait le travail d'interview, de recherche documentaire. Pour le coup, je ne vois pas trop de différence. Après, il y a des cultures de rédaction, mais ça, c'est autre chose. Mais quand vous allez aller à sciences humaines, à la recherche, enfin, la recherche aujourd'hui, ça a un petit peu changé, mais dans n'importe quelle rédaction, vous aurez toujours ce travail-là, hein, au final. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, on propose un sujet, on a la question de NENUF12 qui demande comment on choisit les sujets qui vont être traités. Et par exemple, Hélène, comment est-ce que tu construis ta rubrique des actualités? C'est-à-dire que tu as des sujets qui t'arrivent, comment tu choisis? Alors, c'est un puzzle très compliqué. J'ai des sujets qui m'arrivent et je fais moi-même beaucoup de veille. C'est-à-dire que, voilà, je lis des revues, je regarde en tout cas, je regarde les sommaires de certaines revues, de beaucoup de revues. Je regarde ce que font certaines institutions dont je sais qu'elles publient beaucoup. Évidemment, maintenant, les services de com diffusent beaucoup les travaux des chercheurs, donc je me sers aussi de ça, mais pas seulement. Je vais voir éventuellement les documentaires qui sont apparus, qui peuvent être bien, des expositions, etc. Donc j'essaye d'avoir une vision large. Et effectivement, je reçois les propositions des pigistes une fois par mois, qui m'envoient ce qu'on appelle un pitch, c'est-à-dire en quelques lignes, ils essayent de me convaincre qu'ils ont un sujet génial, quoi. C'est un peu ça. Et si le pitch est bien Que nous, fait, on fait aussi derrière en conférence de voilà. rédaction. Aussi, c'est on défend nos propres sujets. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours vous demander dans un journal, bon, ok, mais c'est quoi l'intérêt? En gros, c'est à peu près ça. Donc, l'idée, c'est que s'ils ont un bon titre, hein, ça c'est pas mal, et surtout qu'ils décrivent bien en trois lignes ce qu'ils veulent montrer, et que je vois que la source qu'ils utilisent, la publication par exemple, est sérieuse, bah, j'ai très envie d'aller plus loin. Ensuite, c'est un poste de très compliqué, ce que ne savent pas toujours les pigistes, c'est que même si leur sujet est génial, moi j'ai d'autres contraintes. C'est-à-dire que dans ma rubrique, je vais avoir un peu toutes les disciplines, je ne vais pas faire par exemple que de la socio. Je veux des articles récents, je veux des choses assez sérieuses et peut-être qui vont apporter sur le fond de la science. Là, je pense aux prochaines actus qui vont bientôt paraître. Là, on a interrogé une sociologue qui s'est intéressée à la mobilité sociale, mais du point de vue du genre. Et elle montre que être une femme, c'est des types de mobilité spécifiques. Elle a utilisé un concept qu'elle appelle mobilité de genre. Moi, ça m'intéresse parce que je me dis, voilà, ça va apprendre des choses sur un concept de sciences sociales. Et puis à côté, je vais avoir des choses plus amusantes. Par exemple, j'ai moi-même fait une actu sur les tribulations d'un mammouth en Alaska grâce à leur constitution, enfin à l'étude des isotopes de sa défense. C'est très intéressant techniquement, mais c'est peut-être aussi un peu plus riant, voilà, disons. Donc je vais aussi m'amuser à équilibrer pour que les lecteurs trouvent plaisir à lire, en fait, parce que le lecteur, s'il n'a pas envie de lire, il jette le journal et puis moi j'ai envie qu'il lise. Donc voilà, donc, je vais essayer d'alterner comme ça un petit peu tout. Donc c'est en gros comme ça que je construis la rubrique. Je pourrais passer beaucoup de temps à décrire ça. Je ne vais peut-être Alors, pas. juste peut-être, moi, il y a un truc que je n'ai vu que à Sciences humaines, pour le coup. J'ai fait quand même pas mal de rédactions. C'est la volonté d'avoir un équilibre disciplinaire. Ça, je trouve ça super intéressant. Je pense que la plupart des gens qui lisent Sciences humaines ne le savent pas. Mais tous les mois,
notamment dans la rubrique Actu, mais pas seulement sur toutes les rubriques, on réfléchit en rédaction à comment faire pour qu'il y ait toujours à la fois de la psycho, de la socio, de l'histoire, de la philo, de l'anthropo, et que voilà, qu'il y ait un équilibre. Et si, par exemple, un mois, il y aura peut-être un peu plus de sciences de l'éduc, le mois suivant, on va essayer d'en faire moins, et puis de valoriser plus une discipline qu'on n'a pas mis. Et ça, c'est cette volonté d'équilibre, je ne l'ai jamais vue ailleurs, quoi. Donc, c'est assez spécifique. Il y a aussi l'équilibre entre donc quelque chose qui va être plus de nature théorique sur la science, et puis des choses qui vont être un peu plus appliquées. Ouais, des Je sujets prends par exemple, légers, des sujets techniques aussi. voilà, sujet technique, je prends un exemple. Là, il y a eu une parution sur les études STAPS, donc les études sportives, qui montre que c'est en fait que les étudiants en STAPS, après un master, s'intègrent très bien sur le marché du travail. Bon, ben, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qui va intéresser peut-être les enseignants, peut-être les étudiants qui font cette filière. Donc je me dis, ben, voilà. Au-delà de l'intérêt scientifique, il y a aussi un intérêt pour le public, parce que c'est une donnée qui compte, quoi. Donc ça va aussi jouer dans mes choix. Et donc, Cléora, non, je ne t'ai pas entièrement répondu, donc je vais terminer de te répondre. Oui, effectivement, si on n'a pas de carte de presse, on peut me proposer un sujet, mais maintenant, c'est vrai que je vais regarder si la personne a une expérience en journalisme, forcément. Et pourquoi je vais faire ça? Parce que c'est quand même un métier qui s'apprend. Et que donc, si je sais qu'elle écrit, la personne, je sais qu'elle sait faire un article, qu'elle sait ce que c'est que l'introduction, enfin, l'accroche d'un article, la chute, enfin, je sais qu'elle va savoir le faire. Si quelqu'un n'a jamais, jamais, jamais pigé, je peux éventuellement essayer, mais c'est vrai que ça va me prendre plus de temps, ça m'arrive, hein, parce qu'il va falloir voilà, que la personne apprenne un petit peu, c'est quand même un métier à le faire. Donc, j'exclurais pas quelqu'un qui n'a pas fait, mais c'est sûr qu'en fait, les gens qui m'envoient des propositions sont tous des journalistes. Qu'ils aient une carte de presse, qu'ils n'en aient pas, qu'ils soient pigistes ou pas. Mais en fait, normalement, ils sont journalistes. Ou parfois, j'ai quelques autres personnes qui proposent des articles. Par exemple, un prof de sciences SES, hein, de sciences économiques et sociales, qui de temps en temps, qui fait beaucoup de veille sur ces sujets, qui écrit bien, et de temps en temps, il me propose des petits articles. Voilà, ça fait partie des gens qui peuvent travailler pour nous. Mais quand même, dans l'ensemble, ce sont des journalistes. Mais souvent, du coup, même quand ce sont des journalistes, d'ailleurs, quand on ne les connaît pas ou qu'on n'a pas ou qu'on voit que ce sont des gens qui n'ont pas énormément écrit, ben on va commencer par des petits sujets, des brèves, par exemple, des choses comme ça. Et puis on va grossir au fur et à mesure. C'est vrai que même, mais j'ai envie de dire, je sais pas toi, Hélène, mais même un journaliste qui a 2-3 ans d'expérience, par exemple, donc quand même quelqu'un qui est encore un peu junior, on va pas lui donner tout de suite 6 pages dans le magazine parce qu'on peut pas être sûr de savoir comment ça va se passer. On va commencer peut-être par une page. Une demi-page, ce genre de choses. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur quelque chose que disait Cléora Mengxin. Effectivement, on peut faire des articles sur la base d'un article scientifique, mais ce n'est pas le seul format. Ça peut être aussi repérer une nouvelle figure montante de la recherche, un nouveau chercheur ou une nouvelle chercheuse qui fait des choses intéressantes et un petit peu innovantes sous forme d'interview. Ça peut être aussi des fois traiter des livres, avoir repéré un livre intéressant. Ça peut être repérer une notion qui commence à émerger dans le débat public et qui va avoir des racines ou des échos dans la littérature scientifique. Il y a vraiment plein de possibilités. Évidemment, la vulgarisation d'articles publiés dans des revues scientifiques fait partie de ce qu'on fait, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres formats qui peuvent être intéressants. Et pour compléter, donc moi je vais sur quelqu'un que je ne connais pas du tout qui va m'envoyer des sujets. Un de mes premiers critères, ça va être l'originalité, pardon, de ces sujets, parce que moi j'en ai, les pigistes m'en envoient, donc si ce nouveau pigiste, il faut qu'il m'amène quelque chose que j'ai pas déjà. Et après, je vais le faire travailler une fois si ça marche. Et pour moi, il va y avoir deux choses, c'est qu'il y a une chose totalement qui exclut définitivement que je refasse appel à lui, c'est s'il met des erreurs. C'est-à-dire si moi, quand je relis l'article derrière, je vois qu'il a mis des faux chiffres, qu'il a mal cité, qu'il s'est trompé, qu'il n'a pas fait l'effort de faire quelque chose de correct, ça pour moi, c'est pas excusable. Quand on fait un article, on le relit, on vérifie ses données, elles doivent être bonnes. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est un problème. En revanche, par exemple, le style, si quelqu'un a un style extraordinaire, ça me gêne moins parce que ça se co-travaille. Moi, je relis toujours, je modifie si j'ai envie. Et puis éventuellement, si c'est quelqu'un de très jeune, je peux discuter avec lui montrer, lui dire là, tu vois, il faut faire plus simple. Ça, c'est pour moi, c'est pas du tout excluant, mais par contre, vraiment des erreurs factuelles pas vérifiées, je trouve que c'est pas pardonnable. Sauf une fois, ça peut arriver exceptionnellement, on n'est pas des vieux vivants, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Ouais, donc ça rejoint ce Donc, que dit Cléap 13 sur le chat. Si on n'a jamais fait, il vaut mieux ramener un sujet assez original et ou dans lequel on est plutôt spécialiste.
J'aurais dit plutôt dans quel on est spécialiste, c'est-à-dire que si Ouais. quelqu'un a fait, je sais pas, son master sur un domaine, il connaît très bien, il a envie d'en faire un petit article, bah pourquoi pas, je sais qu'il va très bien connaître le sujet, ça peut être une pas mauvaise idée. C'est sûr que nous, ça va nous rassurer côté chef de rubrique. Et en même temps, il y a. Alors, sur la proposition, oui, il vaut mieux du coup. Et en même temps, moi, je ne sais pas ce qu'en pense Hélène, mais en tant que journaliste, je crois que j'ai le plus souvent, les articles les plus intéressants que j'ai écrits, c'était sur des sujets où je n'étais pas du tout spécialiste, justement. Parce que j'avais tout à découvrir. Donc, déjà, j'avais un œil complètement neuf sur le sujet. Et du coup, ça demande beaucoup de travail, de vérification aussi, et puis de compréhension du sujet. Mais souvent, ça donne des très, très bons articles au final, je trouve. Alors que quand on est spécialiste, on a plus de mal à se souvenir de ce que c'est de ne pas l'avoir été. Donc, il y a cette ambiguïté-là. Voilà. Et si quelqu'un veut proposer un sujet, je vois que c'est le cas de Cléora, visiblement, je conseille aussi d'aller voir vraiment d'aller regarder la rubrique pour qui on veut piger, on regarde toujours quelques numéros du journal où on envoie une proposition. Règle bête, mais règle super importante, parce que si vous n'êtes pas dans le ton, vous proposez ce qui vient d'être publié le mois dernier, vous vous ridiculisez en fait. Ça veut dire que vous n'êtes même pas allé lire le journal pour lequel vous voulez travailler. Voilà, vous regardez les derniers numéros, et ça vous aide quand même à savoir un petit peu. On Et dirait qu'il y a après, des gens qui cherchent du boulot sur le chat, c'est pourquoi pas, rigolo. hein. Moi, je réponds toujours de toute façon. Ouais, On n'a du coup, pas oui. répondu à certaines questions en amont. Et Je me Cléa13, demande. oui, c'est vrai que ça questionne l'intégrité scientifique hein, quand tu fais des erreurs dans un petit article où tu es censé rendre compte d'un article scientifique, comme dit Hélène. Hein, si tu as des erreurs de chiffres et que tu fais ça par-dessus la jambe. Tu fais même pas attention aux résultats, ou pire que Bah tu les oui, parce changes un qu'on. peu pour que ça soit un peu plus sensationnel. Là, c'est sûr que c'est un peu rédhibitoire, Bah, quoi. si on fait ça, on sert plus à rien, en fait, Bah ouais, quoi. carrément. Le rôle du journaliste, c'est de, par rapport à n'importe quelle discussion qu'on peut avoir avec des amis, machin, etc., c'est quoi? C'est qu'il va faire le petit travail de vérification, de contextualisation et de compréhension du sujet en plus, qui va donner. Bah ça a toute sa valeur au journal, hein, malheureusement. En même temps que je dis ça, c'est vrai que je pense à toutes les émissions en direct qu'on a beaucoup à la télévision, à la radio quand même, où on a des gens pour pas travailler sur les sujets qui sont journalistes et qui parlent de tout un tas de sujets sans avoir travaillé, mais qui représentent des champs idéologiques. Bon, c'est vrai qu'on essaie de faire des choses un petit peu différentes, et la plupart des journalistes, l'écrasante majorité des journalistes, ne veulent pas faire ça. Et puis, par rapport à l'intégrité scientifique, alors c'est peut-être un peu décalé, mais on lit aussi avec un esprit critique. Donc, par exemple, si vous voyez qu'il y a un article qui paraît, on va vous parler des pourcentages. Donc, je ne sais pas, moi, 47% des gens font je ne sais pas quoi, et c'est sur 7 personnes. Ok, vous dites là, 47% sur 7 personnes, ça ne marche pas beaucoup, quoi. Donc, c'est vous aussi à avoir la rigueur de lire avec du bon sens, en fait. C'est-à-dire, si on a 7 personnes, on ne fait pas des statistiques comme ça. Donc ça fait partie aussi du travail, je pense. Alors, on avait une question de Cassandre AGE sur la ligne édito de SH. Je ne sais pas ce que je répondrais là-dessus. C'est quoi la ligne édito de SH? C'est de vulgariser les sciences humaines et sociales, offrir un panorama des recherches actuelles en sciences humaines et sociales, montrer en quoi elles résonnent avec l'actualité. Je ne sais pas. Oui, j'ai aussi un peu mal à répondre. Je dirais que la ligne édito, c'est d'être le plus objectif, qu'on ne prend pas parti quand il y a des querelles de clochers, enfin disons, ce n'est pas des querelles de clochers, c'est idiot de dire ça, des façons de voir différentes dans un même domaine de plusieurs chercheurs. Au contraire, on essaye de montrer la diversité des approches. C'est important que le lecteur puisse se rendre compte qu'il y a différentes façons de parler d'un sujet, donc une espèce de neutralité. Voilà, je sais pas si on peut en dire plus. On n'a pas décrit le cheminement de construction d'un mensuel, mais ça peut être un peu compliqué. C'est un peu On peut garder compliqué en ça pour plus plus. tard, hein. Ouais. En plus, Ouais. on n'a pas tous le. Ce qu'on peut dire, c'est que on aurait du mal à le faire parce que il y a différents postes dans une rédaction, c'est comme toutes les entreprises. Et les personnes qui vont être à la direction, les personnes qui vont être dans tout ce qui est un peu la création artistique, la direction artistique, donc la maquette, ce genre, ne vont pas avoir le même point de vue que nous qui sommes journalistes. Nous, on a une vision qui reste parcellaire de la fabrication globale d'un numéro. Bon, on pourra peut-être y revenir plus tard, effectivement, on verra. Alors sur Cléa13, rédaction de thèse, oui, je suis. Alors, première réponse
message d'avant. Je ne connais pas Podcast Science, mais je vais aller voir et donc je serais ravie de découvrir. Ouais, c'est sympa, moi je C'est connais, vrai. il y a des trucs D'accord. pas mal. Et sur la thèse, oui, c'est un petit peu différent, je pense, de la thèse qui a une écriture académique très particulière, mais c'est plus comme ma thèse en 180 secondes, si j'ose dire. C'est-à-dire, ou comme si vous devez présenter votre thèse à un grand public ou à votre famille, ou je sais pas, dans une Ma thèse conférence. en 180 secondes, même si c'est souvent critiqué, j'ai remarqué, mais c'est un bon exemple, c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aussi. Voilà. Écoutez, je suis absolument désolée, je suis obligée d'arrêter là, alors que je trouve ça super et je rêverais de continuer à répondre aux questions. Mais malheureusement, je suis obligée de partir, comme l'avait dit Hugo au début. Donc, je laisse Fabien et Hugo continuer à répondre à vos questions. Et ben, merci à ceux qui étaient là. C'était très intéressant de voir poser, avoir toutes ces interrogations et peut-être ces envies aussi. À bientôt peut-être. Salut Hélène, merci d'avoir été là. On va continuer Salut Hélène. tous les deux du coup. Et juste par curiosité, Cléa 13, c'est sur quoi ta thèse? Si tu peux nous le dire dans le chat. Hop là, voilà, normalement, on est bon sur Et l'overview. Cassandre nous demande les thèmes sur lesquels que vous préférez travailler ou vos numéros préférés. Alors, déjà, moi, ce que j'ai toujours aimé en tant que pigiste et en tant que journaliste, c'est la diversité justement des thèmes et des sujets qu'on aborde. Ce que j'adore, c'est faire, bon, pour sciences humaines, c'est par exemple de faire un jour un sujet qui va être sur le vivant dans la philosophie ou la biologie, et puis le lendemain de travailler sur, je sais pas, les transclasses d'un point de vue sociologique, et puis le surlendemain de faire un sujet sur l'histoire des mangas, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est ça que j'aime bien, c'est cette diversité-là. Après, on a tous un peu nos spécialités dans la rédaction. Hugo, par exemple, toi, je crois que ça va être plutôt la psychologie et Ouais, la l'éducation. psycho et les sciences de l'éduc en général, c'est les sujets que je Ouais. traite le plus Moi, ça va régulièrement. être beaucoup la philosophie, tout ce qui va être un peu sciences naturelles, biologie aussi, histoire de la vie, en gros. Un peu le management, le travail, les sciences de gestion, la sociologie des organisations, les choses comme ça. Ok, thèse en sciences des matériaux et procédés, nous dit Cléap 13. D'accord. C'est. Ok, c'est de la. Ouais, c'est de la physique, hein, c'est ça. Sciences des matériaux, ouais. Très C'est entre expérimental la. sur de la fabrication additive et matériaux métalliques, mais j'aime bien la pluridisciplinarité et je m'intéresse beaucoup à beaucoup plus de choses que seulement les sciences des matériaux. Ok, ouais, si t'es là, c'est que on voit qu'il n'y a pas que la physique qui t'intéresse. Donc c'est sympa Merci. que tu sois venu. Donc les numéros préférés, après si je continue sur... ce serait quoi toi le numéro que t'as, un des numéros que tu as préféré dans Sciences humaines? Bonne question. Moi, peut-être un numéro où j'étais pas là. En fait, le numéro et si on changeait tout. C'est un vieux numéro Ah sur oui. qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce que les sciences humaines ont à dire sur les changements dans la société. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un numéro que j'ai acheté au moment où j'étais à l'école de journalisme, en fait, et où je m'apprêtais à entrer à la rédac de sciences humaines en tant que stagiaire. Enfin, je voulais en tout cas. Et ouais, du coup, c'est un de mes premiers numéros de sciences humaines que j'ai lu autant, en fait, et du coup, je l'ai D'accord. bien aimé. Moi, c'est une de mes premières piges, ce numéro. C'est pas la Ah ouais? première, mais j'en avais fait une. C'était Et si tout le monde devenait vegan dans ce numéro? Si Ah, voilà, c'est si toi qui toute avais écrit l'humanité ça, ouais, devenait ça me dit quelque vegan, chose. c'était une proposition. C'était un sujet qu'ils voulaient traiter. Ils m'avaient contacté pour le faire. Et j'avoue que je connaissais pas très bien le sujet à l'époque. Enfin, on commençait à parler vraiment de plus en plus de véganisme, mais c'était pas autant qu'aujourd'hui. C'était assez chouette comme sujet, comme numéro. Moi, un numéro que j'ai vraiment adoré parce que j'ai dirigé le dossier, j'en étais très fier, c'était le numéro sur l'autisme. Ouais, il On a était fait tout bien. un dossier sur l'autisme qui malheureusement est paru en plein milieu de la crise sanitaire, donc qui n'a pas eu autant de visibilité que ce qu'il aurait pu avoir et autant de succès que ce qu'il aurait pu avoir. Mais vraiment, le dossier, on a eu des super articles, quoi. On abordait plein plein de choses sur le diagnostic de l'autisme, sur la neurodiversité, sur le validisme, sur l'insertion professionnelle, sur le vieillissement des personnes autistes. Enfin, c'était un dossier très psycho, socio-philo, qui était sur l'histoire de l'autisme, en fait, comment est apparue cette catégorie
Vraiment, le dossier était très très chouette. On Oui, l'a c'est vrai. transformé en livre un petit peu par la suite. Enfin, on a réédité des articles et puis on a ajouté pas mal de compléments pour faire un petit livre qui s'appelle L'autisme, je crois, qui est paru aux éditions Sciences Humaines aussi. Et ouais, ce numéro-là, je l'affectionne particulièrement. C'est vrai qu'il était bien. Comment se passe un comité de rédaction, demande Ménuf12. Alors là aussi, il y a un truc qui est vraiment unique à Sciences Humaines, je ne l'ai jamais vu ailleurs, c'est chaque comité de rédaction commence par une distribution de livres. C'est-à-dire que Sciences Humaines reçoit énormément de livres toutes les semaines qui sont rassemblés par un documentaliste. Donc c'est un peu beaucoup de parutions, des nouveaux essais en sociaux, en histoire, en philo, en psycho, où on ne reçoit pas trop de romans hein, pour le coup. De temps en temps, on reçoit des BD. Mais toujours qu'on se prisme un peu sciences humaines, et on commence par distribuer les livres aux différents journalistes ou à des pigistes, on leur fait envoyer en fonction des spécialités des uns et des autres, des sujets qu'on est en train de traiter, des sujets qu'on a envie de traiter. Ça, c'est assez unique. Après, on fait souvent un point sur le numéro qui est en cours. Et quand il y a eu des propositions, par exemple, moi j'ai proposé un dossier il n'y a pas très longtemps, bah, j'ai présenté un sommaire à ce moment-là, j'avais écrit tout un sommaire de numéros, je l'ai présenté à toute la rédaction, et puis bah, on a discuté des articles, des différents sujets qu'on pouvait supprimer, qu'on pouvait ajouter. Voilà, et puis après, disons qu'on termine sur les questions diverses, mais bon, cela, ça va être plus celle de la cuisine interne en général, de l'organisation, quoi. JL Very Short te fait un compliment aussi sur le dossier autisme qu'il a lu apparemment et qui dit Ah qu'il bah était merci. effectivement très riche. Merci, JL Very Short, c'est vrai qu'il était bien. Ok. Alors, bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi j'en ai une, Fabien, là, je suppose que tu es toujours en train de bosser sur un sujet en ce moment. C'est quoi ton sujet du moment? Alors là, le sujet, c'est qu'est-ce qu'un être vivant? Qu'est-ce que... Ça va être un dossier. Ça va être le prochain dossier de sciences humaines. Donc là, on a le dossier sur les nouvelles pédagogies qui vient de paraître. Et donc le dossier suivant qui paraîtra en décembre, si je ne dis pas de bêtises. Non, en novembre, du coup. On en a peut-être un avant. Je suis en train Attends de que je m'embrouiller sur les calcule. dates. Le prochain numéro, il Non, part ce n'est pas en le prochain, novembre. c'est celui C'est en d'après. décembre. C'est en décembre. Donc là, c'est ce numéro de décembre. Donc C'est on ça. travaille. Alors, dans les mensuels, on travaille toujours avec 2-3 mois d'avance. Ça, c'est aussi, c'est pas spécifications humaines. Tous les mensuels sont sur ce genre de temporalité. Donc là, moi, par exemple, je travaille sur le dossier du numéro qui sortira en décembre. Et ça va être un sujet qui va beaucoup parler de biologie, mais pas seulement. Parce qu'on est sciences humaines, hein, on n'est pas sciences et vie ou sciences et avenir. Donc on va beaucoup parler d'histoire, de psychologie et de sociologie, mais aussi un peu de sciences naturelles, de théorie de l'évolution, de Darwin, de qu'est-ce qu'un être vivant. Voilà, qu'est-ce qu'un individu biologique, par exemple. Voilà, une des questions qu'on va traiter, que j'aime beaucoup, c'est quand on parle d'un individu et qu'on regarde une termitière, on peut vraiment se demander, est-ce que l'individu... C'est chaque termite, est-ce que chaque termite est un individu, ou est-ce que c'est la termitière dans son ensemble qui constitue un individu? C'est une question qui est assez compliquée en fait. Et la termitière, je crois, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas de réponse directe. Après, bon, il y a des choix aussi. Des fois, c'est aussi un peu des enjeux sémantiques. Mais voilà, on va aborder ce genre de questions. On va aussi aborder des questions un peu plus métaphysiques ou existentielles sur la mort. Pourquoi est-ce qu'on meurt, par exemple? Est-ce qu'il y a un sens au fait de mourir? Est-ce qu'on pourrait ne pas mourir? Pourquoi on meurt? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet? On va avoir aussi des questions sur l'histoire de la vie aussi. Comment est-ce qu'on a appréhendé la question de la vie à travers l'histoire? Il y a un très très bel entretien là qui se prépare. J'en dis pas trop non plus, hein, parce qu'il faut un peu des surprises et puis il faut qu'on Ok. finisse le dossier avant d'annoncer les articles quand même. Voilà, donc là, moi je suis beaucoup là-dessus. Et puis sinon, bah, comme je disais, on reçoit beaucoup beaucoup de livres à sciences humaines, donc je suis toujours en train de lire. Des livres pour voir un petit peu ce qui pourrait être utilisé dans un dossier, pour faire une actu, pour faire une recension de livres. On n'en a pas parlé aussi, mais il y a beaucoup de recensions de livres dans Sciences humaines et c'est une rubrique qu'on aime beaucoup. Et là aussi, s'il y a des personnes qui veulent piger pour Sciences humaines, une porte d'entrée, ça peut être tout simplement de proposer une recension de livres. Ça se fait plus avec Nicolas Journet, pour le coup, pas avec Hélène. C'est lui qui est responsable de la rubrique livres. Voilà, c'est une autre porte d'entrée. Donc là, ouais, il faut lire le bouquin et en faire un petit compte-rendu. C'est ça. Danae qui nous demande, vous êtes tous les deux jeunes, vous êtes sur Twitch, alors est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la presse écrite?
Alors, on est inquiet, mais je dirais que c'est pas pour cette raison qu'on est sur Twitch. Je crois que toi et moi, on est sur Twitch parce qu'on trouve, moi, je trouve la plateforme absolument passionnante. Je trouve qu'elle est vivante, il se passe Ouais. plein de trucs, il y a plein de nouveaux formats qui sont en train de s'inventer. Moi, j'y suis C'est depuis longtemps vraiment, aussi, ouais. ouais, c'est vraiment très très excitant Twitch. Enfin, c'est ça donne envie d'essayer de voilà d'inventer des choses. Inquiet pour l'avenir de la presse écrite. En revanche, oui, depuis un certain moment quand même, mais. En fait, c'est plus que la presse écrite, c'est moi la question de la presse payante qui me pose beaucoup, parce que finalement, c'est pas tellement la presse écrite qui est en concurrence avec le web, c'est plus l'information gratuite qui est en concurrence avec de l'information payante. Moi, le débat, je le situe plus à ce niveau-là. Et c'est vrai que la crise sanitaire qu'on a traversée a fait beaucoup de mal à la presse écrite, à la presse magazine, toute presse confondue, tous les groupes de Ouais, c'est presse ont vrai. beaucoup souffert de la crise parce que quand on pouvait plus se déplacer, quand il y a eu vraiment beaucoup de périodes où les points de vente, que sont bah, les kiosques à journaux ou les relais dans les gares, étaient tout simplement fermés. Oui, après, moi, quand j'ai commencé ce métier il y a 10 ans, on disait déjà que la presse écrite était morte à cause d'Internet. Bon, elle est toujours là, il y a toujours des formats qui s'inventent, donc je ne suis pas sûr qu'il y a un changement de la presse écrite, je ne suis pas sûr qu'elle disparaisse pour autant. Par contre, ce qui devient difficile, effectivement, c'est de proposer de l'information payante. Ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins accepté du fait de la profusion de contenu gratuit, d'informations gratuites et d'informations gratuites de très, très bonne qualité. Et ça, je trouve que c'est vraiment une différence avec il y a 10 ans. Il y a 10 ans, franchement, dans les blogs, il fallait vraiment chercher pour trouver un blog intéressant, des gens qui avaient vraiment un regard sur l'actualité. Il y en avait, hein, mais c'était dur à trouver. Là, n'importe quel sujet, on trouve énormément de ressources qui sont passionnantes. Ouais, d'ailleurs, en sciences humaines, il y en a aussi. Il y a des gens qui font de la vulgarisation qui est super. Hein, on trouve Ouais. des chaînes YouTube où le contenu est accessible Des chaînes sur gratuitement. Twitch aussi qui sont Des super. Twitchers aussi, ouais, qui font des trucs qui sont très bien. Donc, ouais, ça c'est compliqué. Après, pour la presse écrite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le nombre de kiosques n'arrête pas de diminuer. Et que c'est en constante diminution depuis un moment. Et que ça s'est accéléré avec la crise sanitaire. Donc, s'il y a moins de points de vente, forcément, on vend moins de journaux. Donc, ouais, c'est aussi un sujet d'inquiétude, je pense, pour pas mal de magazines papier Ouais, et journaux papier. puis il y a un truc aussi, je trouve, c'est que on lit toute la journée déjà. Enfin, les gens qui lisent de l'information, ils ont déjà tout le temps, on passe notre temps à lire des posts sur les réseaux sociaux, ou à regarder des vidéos, ou à lire des brèves, ou à scroller sur une application d'un journal ou d'un magazine. Et du coup, ça libère paradoxalement assez peu de temps pour la lecture. Ça, je pense que ça joue beaucoup. Et en même temps, je crois qu'il y a aussi un espace pour ces moments où on n'a plus envie d'être devant un écran. Il y a aussi ce côté où beaucoup de gens, et dans beaucoup de métiers, beaucoup plus qu'avant, sont sur des écrans toute la journée. Et à un moment donné, juste se prendre un magazine ou un livre pour s'informer, bah déjà, ça repose les yeux, ça détend. Et puis, c'est une autre lecture, c'est un autre rythme. Et je pense que ça ne disparaîtra jamais totalement. Après, voilà, la question, ça va être est-ce que, par exemple, la presse hebdomadaire ou quotidienne a encore un sens sous forme papier? Je ne suis pas sûr. On voit que beaucoup de magazines et de journaux sont en train d'opérer une transition vers des formats trimestriels. Voilà, peut-être qu'effectivement, à terme, j'en sais rien, hein, mais peut-être qu'à terme, il n'y aura que des trimestriels. Vous lisez de la Ou très, presse très écrite, court. vous, dans le chat? Vous lisez des trucs que vous achetez en kiosque ou auxquels vous êtes abonné, peut-être? Parce que c'est vrai que ouais, même la presse classique, on la trouve aussi sur Internet, quoi. Cléora qui me dit, je suis d'accord, je travaille tout le temps devant un ordi, lire un magazine papier et reposer en agréable. Ok, donc ça veut dire que tu lis toi aussi. Moi aussi j'aime bien prendre du papier de temps en temps. Tu lis quoi, Cléora? Toi aussi, Fabien, j'imagine, tu lis du papier Oui, oui. régulièrement. Ouais, j'ai quelques magazines. Après, je suis aussi gros consommateur de vidéos, parce qu'en Ouais. vulgarisation scientifique, il y en a beaucoup et le format vidéo est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a ouais, ce truc de arrêter les écrans qui fait du bien aussi de temps en temps. Ouais. Cléap qui dit j'aime bien ça, j'ai emprunté beaucoup en médiathèque aussi. Ouais, c'est vrai que c'est une solution. Quand on veut pas avoir trop d'abonnements à la presse papier, on va à la médiathèque et on en prend de temps en temps. Après, j'ai pas toujours le temps ou je le prends pas. Ouais, c'est ça, Cléap. On court un peu après le temps et c'est vrai que le format vidéo ou audio, des fois, ça de bien que
Moi, quand je fais à manger, ben, je pose mon ordi à côté et j'écoute un truc en même temps ou je mets un podcast et c'est sûr que voilà, là j'ai le temps. Alors que lire un magazine, j'aurais pas le temps en ce moment-là, quoi. Moi, je préfère lire du papier que de passer du temps sur mon téléphone ou devant un écran, dit Nénuf 12. Ouais, là c'est vrai que c'est agréable, hein, mais et puis c'est vrai que dans nos boulots, on passe de plus en plus de temps devant un écran aussi, donc forcément ça joue, quoi. C'est vrai qu'à Sciences Humaines, par exemple, on fait assez peu de reportages, contrairement à d'autres magazines, parce que on peut en faire, hein, mais ça va être des reportages d'un genre assez particulier. Ça va être des reportages dans des colloques, dans des forums, dans des universités, dans des laboratoires de recherche. Mais même nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur des bases documentaires, en interview. Et en plus, depuis le confinement, le fait de faire des interviews en visio, c'est beaucoup démocratisé. Je ne sais pas si c'est un progrès. Donc je me rends quand même compte que chaque fois que je vais chez la chercheuse ou le chercheur, c'est quand même beaucoup plus intéressant et enrichissant que quand on fait en visio et pire encore quand on est au téléphone. Mais bon, des fois, par souci d'efficacité, on fait comme ça. Alors qu'un stream ou une vidéo, je le mets en fond en même temps que j'analyse les données. Ouais, clair, c'est ça, ouais. On met un stream en même temps qu'on bosse, du coup Mais moi, j'ai quand même du mal à on fait autre faire deux chose. trucs en même temps. Alors, je suis peut-être pas doué pour ça, mais je me rends compte que des fois, Ouais, je c'est mets par exemple embêtant. une vidéo en fond, et puis en même temps, je sais pas, je vais scroller un peu sur Twitter ou des trucs comme ça. Et finalement, quand je regarde ce qui se passe vraiment sur Twitter, je fais plus attention à la Ouais, ça vidéo ou un marche pas. personnage. Moi, ça marche un peu, moi, quand je fais de l'icono, donc au magazine, je m'occupe de chercher les images. Et donc, je prends le temps de lire les articles et tout, et je prends des notes en même temps. Voilà, je vais chercher telle image, telle image, telle image. Et une fois que j'ai ma liste, bah, mettre un truc en fond, là, ça ne me gêne pas, parce que je vais juste regarder les images, il n'y a pas de texte. Donc, en fait, ça ne me gêne pas d'écouter quelque chose en même temps, et j'aime bien, ouais, j'aime bien mettre un podcast, un stream, peu importe. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa. Mais en général, ouais, dès que je dois lire quelque chose, en fait, moi, j'arrive pas. Je suis obligé de couper parce que j'arrive pas à faire les Ouais. deux en même temps. On n'a pas abordé, je vois que l'heure tourne, mais on n'a pas abordé la question des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans le chat. S'il y a des Ouais. thèmes qui vous intéressent, des disciplines que vous trouvez peut-être pas assez représentées dans Sciences humaines ou tout, n'hésitez pas à nous le dire aussi parce que on est toujours en recherche d'idées de sujets aussi. Ouais. Voilà, si vous avez des pistes, allez-y quoi. Ouais, s'il y a Des des envies, en tout sujets, cas, plus que des pistes. ouais, des envies de voir quelque chose sur le stream. Il y a beaucoup de nouveaux, en tout cas, ce soir, ça fait plaisir. Vous êtes pas mal à participer pour la première fois. Donc, j'espère que vous trouvez ça sympa et qu'on vous reverra. Et d'ailleurs, les sujets sur Twitch aussi, que les formats vidéo. Alors, on a fait jusqu'à des interviews avec des chercheurs. Ou des chercheuses. On a fait un peu des points sur les numéros et puis là, voilà, des formats un petit peu plus détendus comme ça, où on parle un petit peu du travail de la rédaction. Mais là aussi, si vous avez des envies, n'hésitez pas à nous le dire maintenant ou même à nous écrire plus tard. Ouais. Ouais. Vous J'aime pouvez bien l'idée m'écrire de sur les donner réseaux, la... par exemple, un DM sur Twitter, par exemple, ça marche. Ou vous avez aussi nos mails sur le site de Sciences Humaines. Donc tout ça, c'est possible. Voilà, bah on arrive doucement au bout. Merci d'avoir participé pour tous ceux qui étaient là. Je vais vous mettre quand même. Alors est-ce que j'ai le. Zut, je les ai pas là. Je vais vous mettre quand même les derniers numéros que j'ai derrière moi. Donc le dernier mensuel qui vient de sortir, c'est celui-ci, qui s'appelle Que valent les nouvelles pédagogies? Voilà, que vous trouvez en kiosque, qui est un numéro consacré aux sciences de l'éduc, mais pas que. Donc comme dans toutes les sciences humaines, il y a un dossier principal et puis il y a d'autres choses autour. Donc là, par exemple, il y a tout un article sur Confucius. Il y a aussi un entretien avec le psychologue Jean Cottreau qui parle des émotions toxiques. Et puis un article sur la préhistoire, sur les autres humanités, sur toutes les espèces du genre Homo. Ça bouge beaucoup, hein, j'ai l'impression en ce moment. Ça fait plusieurs fois que Sciences humaines se met à Ouais. jour et on a l'impression qu'il y a toujours du nouveau. Il y a aussi le hors-série, le dernier hors-série sur les psychothérapies, voilà, qui est juste là. Quelles indications, quelle efficacité? Donc ça, c'est pas le même genre de choses, c'est moins de l'actualité de la recherche ou moins des choses brûlantes. C'est
plus quelque chose Plus un qui est, bilan état des lieux. ouais, c'est ça, un peu encyclopédique sur, voilà, quels soins pour quelle personne, enfant, ado, psychanalyse, thérapie cognitivo-comportementale, etc. Et puis, alors ça, c'est le dernier grand dossier qui est encore en kiosque que tu as coordonné, Fabien. Ouais, Ça ouais, s'appelle ouais. Qu'est-ce que la science? Ouais.